Salut à tous et nous jouons à Pousse-Pousse au zoo, c'est ça? Au cirque, truc comme ça. Ta-ta-ta-ta-ta! J'espère que vous allez bien, nous sommes évidemment avec Lala Gaming qui est fière d'être avec nous. Ici. Et donc, je faisais le rangement dans les jeux pour savoir lesquels je jetais. Et j'ai retrouvé celui-là. Donc, j'ai voulu essayer et puis au final, ça marche. Donc, autant faire une petite partie avant de le jeter. Garde bien ce billet, Peps, il ne faut pas le perdre. Ah, mais c'est dans le temps. Pousse-pousse découvre le cirque. Donc, ça c'est ma partie, ça? Non? Non, je crois que c'est une nouvelle, je sais pas. Nous avons encore beaucoup de route à faire. À nous, la vallée des pommiers. Non, moi j'avais déjà pris le petit train dans l'autre partie. Ouais. Hé, une chèvre! Elle est mignonne. Donc là, je sais ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher un petit buisson pour la faire se déplacer parce que la faim. Hop, on va la prendre. Ces jolies fleurs peuvent bien m'être utiles, bien sûr. Comme tu savais. Voilà, donc je vais la tirer tout de suite parce que sinon je vais devoir lui parler à l'autre. Donc autant la tirer maintenant. Par ici, ma cocotte. Ça a marché. Merci bien, l'ami. Après, elle va manger le ticket, donc il va nous emmener. Mon nom était Gore. Je suis Pousse-Pousse. Bonjour Pousse-Pousse. Vais passer toute la matinée à faire partir cette chèvre, voilà patati patata. Parce que j'ai fait. Vous allez aussi au cirque, nous aussi. Je vais livrer quelque chose au cirque. Des tonnes de sûres. Non. Hein? C'est comme ta Marina. Allez, viens, je t'y emmène. Je suis sûre qu'on va trouver un moyen de te faire rentrer avec ou sans ticket. Oh, merci Edgar. T'as entendu ça, Peps? Allez, monte. Formidable! Nous y voilà. Waouh! Je suis au cirque. C'est incroyable. De Louis Voltige. Le monsieur Loyal? Où est-ce qu'il est? Près de l'entrée, piston. Je suis sûre qu'il serait ravi de pouvoir t'aider. Merci pour le voyage. Allez hop. À plus. Incroyable. Vous devez être Louis de Voltige. Le monsieur loyal le plus célèbre du monde, vous n'avez pas l'air content. C'est peu de le dire. J'ai un grand spectacle à organiser pour ce soir, avec des numéros spectaculaires. Mais j'ai bien peur que tout tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que tout le monde s'y perd. Quand nous sommes arrivés, toutes les affaires ont été mélangées. Il y a des problèmes avec des autres aussi. Pour être le clown. Vous l'êtes canon. Je peux peut-être vous aider. Au fait, je m'appelle Pousse-Pousse. Merci, Pousse-Pousse. Prends ça, tu risques d'avoir besoin. Ne vous inquiétez pas, monsieur Voltige. Je vais faire tout mon possible pour que tout aille mieux. Ouais.
Là, il explique son histoire de chèvre, puis il dit que s'il l'aide, il va pouvoir lui donner plein de tickets à vie, gratuit. Waouh! Je suis sous le grand chapiteau. Voyons tout ce qu'il y a à faire. Ici. Là, c'est la puce. Ouais, mais comment les gens ils peuvent voir la puce si elle est toute petite, ça sert à quoi? Le spectacle a déjà commencé? Il faut que j'aie des artistes à se préparer. Je suis Armand. Gus la puce s'est enfui. Avec ses amis les puces. Il est un peu fâché parce que sa tante est tombée en ruine. Je peux peut-être le retrouver. Tu auras sans doute besoin de ça. Et essaie de trouver une nouvelle tente pour le tien. Ok. Cacahuètes. De bonnes cacahuètes bien grillées. Ça a l'air bon. C'est lui qui. Là, oui, il va en prendre parce qu'il en aura besoin après. Je vends pour presque rien. Je les offre. Mais il faut réussir le jeu de cacahuètes. C'est quoi? Regarde mes cacahuètes d'un peu plus près. Tu as 10 cacahuètes à lancer aux voitures. Si tu arrives à en atteindre 3, tu gagneras un gros paquet. À vous, Marc. Lancez. C'est quoi ça? Oh non. Ah ouais, c'est vraiment... Ah oui, je pensais que c'était un peu plus dur quand même. Ah non. Oh là là. Tu gagnes un gros paquet de cacahuètes grillées. Et... C'est Léo le chariot qui te les offre. Un paquet par gagnant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas en faire? Non, j'ai pas faim pour le moment. Je vais le garder pour plus tard. Tu pourras peut-être manger quelqu'un. Éventuellement. Ça doit être la piste du numéro de clown. Allez, on va passer par là. C'est pas là où il y a la fille? La tente a fermé. Que peut-il y avoir à l'intérieur? César, ouvre-toi. Hop, voilà. Et voilà, Peps, on a réussi. Bah oui. Ce nouveau costume est ridicule. Et toi, que penses-tu de ce costume? On dirait que vous allez à la piscine. Oh, bien sûr. C'est un maillot de bain. Faut que je l'enlève tout de suite. En aurais-tu besoin? Oui, on pourrait mettre aussi. Elle lui prend tout. Le mien est un costume de souverain. Je suis Édouard Louis. Et voici mes assistantes. Sarah et Laura. C'est un plaisir. Pousse, pousse. Il me faut ce costume pour ce soir. Sinon, il n'y aura pas de nouveau. Oui, bah, j'ai bien compris. C'est un cheval de cirque. Les chevaux aiment les carottes. Ah bon? Allez, on va dans le rouge.
Il y a des puces. Justement, on cherche des puces. Juste une petite pause. À qui parles-tu? À toutes ces puces. Elles sont arrivées dans ma fourrure. Elles n'arrêtent pas de danser comme moi, mais de disco. Je cherche Gus la puce. J'ai une idée. Gus est peut-être dans votre fourrure, il faut que je lui parle. Il faut peut-être que tu nous aides à les retrouver. Elle me pousse à danser le disco. Bah tiens. Allez, cherche Gus. Ah bah, il faut que je cherche moi. Ah, avec une dent en or. Regardez-moi toutes ces puces. Je me demande où est Gus. Faut que je le trouve. Ouais, bah j'ai bien remarqué que tu le trouves. Hein. Alors. Si tu le vois là, tu me dis. Qu'une dent en or. Tu le vois pas? Je cherche une puce, Gus. Ah, il est là. J'ai trouvé Gus la puce. C'est en personne. Sans la lunique. Je suppose que tu es venu me demander de retourner sous le chapiteau, mais là, c'est impossible. Ça s'est complètement écroulé. Il sort comme moi ne peut pas travailler dans ces conditions. Mais je vais trouver une nouvelle tente. Et je vous ramènerai sous le chapiteau. C'est très gentil, Pousse-Pousse. Ça serait avec plaisir. Mais nous aimons le confort. Nous avons besoin de chaleur, une bonne fourrure. Il va aller sur le chien. Ah non, le pauvre chien. C'est seulement temporaire. Et ces puces sont très gentilles. Ah, c'est merveilleux. Je te remercie. Maintenant, je peux retrouver mon propre rythme et répéter mon numéro. Allez, continue. Ah, un éléphant. Un petit morceau de papier là. On dirait une moitié de recette. Allez. Badaboum? Pourquoi as-tu quitté le zoo? Je suis plus peureux. J'ai appris à faire de la peinture tout seul. Je peux même te peindre si tu veux. Faut que je choisisse ma couleur. Ben, violet. Je suis déjà violet en fait. J'aime pas les autres couleurs. On va essayer quoi? Le bleu, tiens.
peut y aller, c'est bien. Non, je peux faire le violet, moi. Voilà, je suis bien comme ça. Voilà, donc peut-être que tu ne me sers pas à grand-chose, je m'en vais. Je les répète tranquille. Ensuite, on va aller dans le violet, tiens. Ah, c'est un jeu. Je suis un robot. Choisis une forme. Ah bah, s'il faut que je la scie en plus maintenant. Allez, on va dans le verre. Il se présente, c'est lui qui laisse ami, lui. Non, non, c'est pas bon. Il a le nez d'un clown, non? Ça n'a jamais été aussi difficile de ne pas faire tomber cette balle. D'habitude, j'ai 4 massues. Il me faut qu'on passe avec les clowns. Ça sera pire. Bref, il faut qu'il trouve quoi. Donc. Là, il n'y a rien. On va partir par là-bas. Ah oui, lui. Non, bah, je parlerai après. Non, allez. Bonjour. Vous êtes une vraie voiture de police. Je suis Angers. J'étais. Maintenant, je suis. Maintenant, il s'occupe de la sécurité. C'est peut-être passionnant. C'est de bon côté. Ok. Moi, je vais là-bas. Ah, oh, il m'interdit. Tu ne peux pas aller à droite. Ni à gauche. Tout le monde ne peut pas aller en coulisses. Je peux trouver un laissez-passer. Quelqu'un signe. Faut quelqu'un signe pour que je puisse passer. Hein? Quoi? De quoi j'ai pas de cirque? Je comprends pas. Bah quoi? Non, faut que je les aide. Les porcoski. Ah oui, on sait. Ouais. Ben, je vais aller voir l'autre là, à l'entrée, je pense que c'est lui. Lui là. Non. Où ça là, le truc? Ça, c'est quoi? Dis-lui. Il lui demande. Ouais. Signé en 3 exemplaires. Vous pouvez signer. Voilà, il signe. Voilà. Allez hop.
Tiens. La signature de Louis Voltige, incroyable. Allez, hop. Merci, c'est bien. Hop, on va à gauche du coup. Tu veux une blague? Mais stop, arrêtez-vous! Charlie ou Charlot? Pourquoi est-ce que Louis Voltige met son argent au frigo? Parce qu'il aime avoir de l'argent frais. Allez, prends le parapluie. Oui, une ombrelle, c'est pareil. Je devrais retrouver son propriétaire pour la lui rendre. Ah oui, attends, c'est tellement important. Allez, file. Ah. Pourquoi je dis que les yeux? Hein? Ah, c'est poète. Me demande ce qu'il essaie de dire. Bah, je dois trouver un moyen de comprendre le poète. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Le chien. Tiens, je te donne mon chien. Waouh! Pour créer leur costume. Yeux! Ah oui, il dit yeux! Et là, je fais quoi avec ça? Imprimer? Non, imprimer ça, moi. C'est pour faire beau, d'ailleurs. Il fait. Alors, ah oui, je me souviens. Moi, j'aimais bien le pouce-pouce avec le pompier. Ah oui, moi aussi, c'est le zoo. Hein? C'est ton zoo? Peut-être. C'est peut-être grâce à tous ces fruits et légumes qu'il est devenu si fort. Si je mets des légumes là-dedans, je peux faire un vrai jus. Ouais. Des carottes. Ouais, c'est bien, tu sais lire. Les pommes. Des betteraves. Et voilà. Ok, c'est tout? Bon, peut-être que ça sera que la recette qu'on va pouvoir faire les choses. Mmh. Allez, là-bas. Ah, qui est-ce? Magicien? Je suis Marvin, le magnifique. Un tour de cartes impressionnant. Ce n'est pas l'heure. Je suis reboyeur. Je ne peux même pas faire mes tours de cartes. Elles sont mélangées. J'ai utilisé ma baguette magique. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à les trier. Oh, ça serait bien. Quelle carte, moi, ça? Il faut trouver les paires, en fait. Alors. Ouais. Mm-hmm.
devrais le dire à Marilyn que celle-ci est toute seule. C'est parce que l'autre, il cherche une massue et du coup, il l'a changée. Il faut qu'il la fasse en objet. Regarde tout. Le kart. Bah oui, transforme-la et puis je donnerai... je la donnerai à l'autre qui me donnera le nez du clown. Il faut que je retrouve le clown. Un poulet. Bah si. Ouais, André Hochet. Tu vois, c'est bien, on est content. Allez, ciao. On va voir un coup ce qu'il y a là-bas avant. Bon, si, il a toujours de la place. Oh! Ma maman basse, c'est vous? En tout cas, elle dort profondément. Les cacahuètes! C'est son nez, ça? Ah oui, c'est la trompe. Et là, elle tombe dessus. Hein. Des cacahuètes? Je dois être en train de rêver. Oui, c'est moi, Pousse-Pousse. Et elle va me donner le filet. Et mon petit garçon ne s'est jamais autant amusé. Je suis déjà allée le voir. Et tu as vu cette magnifique peinture? Bah oui. Mais t'es allée le voir avant. Quelle imagination, cet enfant. Allez, prends ça. Oh, elle a emprunté à quelqu'un, mais c'est plus à qui. Allez, bourre. Allez, je vais là-bas. Je visite tout. Ah, une scie. Il me fallait la scie. Et puis la carte, ouais. Prends la carte. C'est une recette. Bah oui. Waouh. Comme ça, tu vas faire ton jus, là. Voilà, betterave, carotte, pomme. C'est ce que j'ai fait ? Mmh. Oh, je suis trop forte ! C'est betterave, carotte, c'est pomme. Mmh. Voilà. Autre chose ? Non. Allez, hop, on y va. On a plein de monde à aller voir, là. Alors, là-bas, il y avait quoi? Bah oui, c'est le bon endroit pour faire la recette, oui. Bah, betterave. Que faut-il mettre dedans? On se demande bien. C'est bien, tu sais lire. Allez, betterave. Mais en plus, c'est ce que j'ai fait. Carotte. Ah, je pense que c'est pas l'ordre, je pense que c'est qu'il fallait le faire après la recette. Et les pommes. Voilà. Mais le bois pas, hein, c'est pas pour toi. Hein. Oh,
C'était la même tout à l'heure. Ça, c'est une boisson tonique, hein, bah oui. Là-bas, je sais plus ce qu'il y avait. On va voir, peut-être qu'il y a des trucs à donner. Ah non, bah non. Salut. Donc voilà, on va retourner sur nos pas pour aller donner tout ça. Ah, et puis lui, enfin... Maintenant, faut que j'aille trouver son nez. Ah oui, c'est par le trou, là, quand on le fait passer, son nez. Là, il n'y a rien. Hop. Là-bas, je suis allée voir. Hein ? On verra bien. De toute façon, il faut que j'aille donner tout ça. Par contre, je sais plus trop où c'est. Hein. Je sais plus. Oui, c'est par là. Pourquoi ? J'aille dans le violet. Ou le vert, je sais plus. Non, si c'est là, si. C'est donc c'est là. Hop. Alors, je vais donner du bois. Moi, je veux un triangle. Ça me servira à quoi ? Je sais pas. Ah oui, il faudra faire un rond, je crois. Je vais en faire tous. Je vais en faire plusieurs, comme ça. Ah non, recycler. Oh. Je crois que c'est un rond qu'il me faut. De toute façon, on reviendra. Allez. Faut que j'aille voir... là-bas. Voilà, lui. Hop, tiens, la massue. Formidable. Voilà. Ramasse le nez. Voilà. Ensuite, on va aller voir dans les rouges ce qu'il y a. Je crois que c'est ceux qui dansent, oui. Est-ce que c'est pas ça qu'il lui faut ? Non. Ça, non. Réfléchis. Il a un peu rien lui donner à lui. Ça, c'est pas pour lui. Ça changera rien ici. Donc, on va retourner là-bas. Faut que je donne le nez. Et puis, lui, qu'est-ce que je peux lui donner? Lui, il cherche un habit. Ah, il faut que... Je vais aller voir là-bas. Alors, les cochons... On t'a convaincu de venir me voir. On peut pas se balancer alors qu'il n'y a pas de filet. On ne le fera pas. Je le ferai pas parce que ce serait trop dangereux. Bah, c'est moi qui l'ai, hein.
Je cherche le filet. Il dit qu'il les aime et qu'il l'aime et que eux ne le croient pas. Hop. Youpi, c'est notre filet, merci beaucoup. Voilà. Voilà, ils sont tous contents. J'espère que tu viendras nous voir ce soir, Pousse Pousse. Bien sûr, je vais voir petit Jean faire son saut périlleux. Hop. Oui. Ouais. Est-ce que t'as besoin de ça? Non. Donc on va aller par là. Je me demande ce qu'il y a là-haut. En avant. Hop là. Ah oui, elle. T'as besoin d'un parapluie peut-être? Pas. Tu travailles pour le cirque? Ouais, je m'appelle Pousse Pousse. Enchantée. Non, je peux pas l'attendre. Faut qu'on aille de l'autre côté. À quoi sert ce levier? Attendre l'autre corde. Il faut s'y mettre à deux. Allez, maintenant il faut que je vienne l'aider. Voilà, il descend bizarrement quand même. Hein. À la fin, il est pas barbouillé. Je sais pas comment ça se fait. Hein. Il va très bien. Alors, on va tout droit. Ah oui, elle a le livre coincé. Est-ce que tu t'y connais un peu en musique? Elle n'a pas de musicien ni de chef d'orchestre. Ouais, elle a un petit problème, oui. Oui, bah ça je sais, hein, je fais de la musique. Mais l'usine musique. Allez. Je vais aller voir ce qui se passe. La plus grave à la plus aiguë. Ok. Alors. Do. Les deux déjà. Il sera juste. Do. Il part. Non! Oh, je me suis plantée. Ça, là. Ça et là. Ta. Do, ré, mi. Fa, Fa. Fa, par là.
Mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Si, do, bloop. C'est le dictionnaire poète. Un livre pour traduire le poète. Oui. Allez. Voilà. Hop, on va au-dessus, on va aider l'autre là. Parce que j'ai son parapluie, son ombrelle. Ah oui, elle, là, avec ta voiture. Bah, je reviendrai après. Il lui faut un trampoline, je pense. Oh. Ça, il faut mettre un petit trou, là. Un bois. On va lui parler. Ce maillot serré, donc il me faut le maillot aussi. J'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je répète, me plongeons. Le bassin est à sec. Je ne peux pas sauter. Pourquoi vous le remplissez pas? Parce qu'il y a un trou. Oh, il n'est pas si gros que ça. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je serai mon héros, j'ai hâte de pouvoir plonger. Hop là. Voilà. Tu as réussi, oui. Attends, faut mettre l'eau, hein. Parce que sinon, si elle saute, ça va faire mal. Allez, saute. La grâce personnifiée. Voilà. Alors, tiens. Ça ira mieux. Tu es mon sauveur. Voilà. Nickel. Allez, on grimpe. Là, il faut un petit trampoline. Hop là. Voilà. Tout, on verra après. Faut que j'aille aider l'autre. Puis il y a une espèce de carte en dessous. Voilà. Tiens, prends ça. Je l'aime bien, elle. C'est ma préférée, je crois. Voilà. Cette ombrelle était ridiculement petite. Gardez-la.
Du coup, est-ce que là on peut réparer? Voilà. Tu peux traverser si tu veux maintenant. Non, là, je ne veux pas traverser tout de suite. Je traverserai après. Maintenant, parce qu'il faut que j'aille voir l'autre. Donc, non, je traverse pas. J'allais voir lui, puis encore un autre après. Ah, c'est lui qui est tout fatigué, il faut lui donner le liquide. Pour avoir de la force. Il lui dit qu'il est plus balèze du tout. Et qu'il cherche la recette pour être pectoraux comme lui. Mais elle retrouve pas la recette. Là, elle lui explique qu'il a la boisson. Allez, donne-lui. Hop. Oui, allez, bois. Allez, bois. Je me sens fort, qui dit. C'est vraiment efficace. Elle dit que c'est facile. Plus rien ne peut m'arrêter. Moi, je récupère ça. On dirait les instructions pour faire marcher un canon. J'ai pas tout fini. Donc là, il faut que j'aille voir l'autre pour l'aider à... J'ai fini. Là, je donne ça. Donc, on sauvegarde en menu, t'as dit? Sauvegarder. Là, j'avais mis ça. Mia. Hop. Je lui donne ça. Voilà, elle est contente. Mon mode d'emploi. Je m'appelle Pousse Pousse. Arrête de manger les Bonjour, je suis Cathy Boulet de Canon. Viens là. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider? Ah, faut faire un code. Donc on a 1. Là, faut 5. Un peu s'y compte avec moi. Voilà, bleu. Allez hop. J'espère que ça a marché, Guy. Allez, vas-y. Voilà. Tu le dis.
avons réussi, ouais. Tu as réussi. Allez, dépêche-toi, faut aller voir le lion, et puis ça sera fini. Allez. On va aller voir le lion. Ah non, c'est pas fini, en fait. On va aller voir le clown. Oh, mais il en reste plein, en fait.